avons l'immense plaisir d'accueillir au sein de Virgin Patricia McDonald pour son nouveau roman Une nuit sur la mer, publié aux éditions Albin Michel. Patricia, pour ceux qui l'ont déjà lu, est une formidable auteure de polar. Elle nous offre ici un très très beau roman dont elle a le secret et aujourd'hui elle est parmi nous pour en parler un petit peu en détail. Patricia, bonsoir. Merci d'être là. Une nuit sur la mer, c'est un roman. Une des particularités de vos romans, c'est que c'est des polars, mais ce ne sont pas des polars qui sont, comme on peut le voir à la télévision, très sanglants, très brutaux. Vous axez beaucoup votre travail sur le suspense, sur la psychologie des personnages. Et cette fois, c'est l'histoire d'une mère et de sa fille. Est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu de quoi il s'agit ? Oui, l'héroïne, parce que j'écris toujours des héroïnes, s'appelle Shelby. Elle est une femme qui était une mère célibataire. Elle a travaillé beaucoup pour donner une bonne vie à sa fille. Et maintenant, sa fille est mariée. Elle a un petit fils. Shelby décide, parce qu'elle a un bon travail, un grand magasin, de donner comme cadeau une croisière à sa fille et son gendre. Et elle profitait de leur absence de garder son petit-fils. Puis, un soir, elle reçoit un coup de fil qui bascule sa vie pour toujours. Son gendre lui dit que pendant la croisière, sa fille est disparue. Et on a peur qu'elle ait tombé par-dessus bord. Et alors évidemment, là où ça devient très étrange, c'est qu'on ne retrouve pas la fille de Shelby, ne serait-ce que le corps, puisque Shelby ne veut pas abandonner l'espoir. Elle veut tout d'abord croire que sa fille est vivante et qu'elle va la retrouver quelque part, mais même si elle n'est pas vivante, au moins retrouver son corps. Et tout le monde pense que c'est un accident, et là ça devient très compliqué parce qu'on lui parle de sa fille comme d'une étrangère, hein, c'est-à-dire que elle aurait été une personne différente de celle qu'elle croyait. Oui, on raconte tout ce que sa fille a fait sur la croisière. Elle est étonnée parce qu'on dit qu'elle a beaucoup bu et c'était un accident. Moi, j'ai fait beaucoup de recherches au sujet des gens qui sont tombés par-dessus bord. J'ai lu un fait divers d'une femme qui s'appelle Natalie Holloway aux États-Unis. Elle est disparue en Aruba, aux Caraïbes, sur les vacances scolaires. Et sa mère a cherché pour elle sans cesse. Et sa mère m'a inspiré beaucoup pour mon héroïne. Vos personnages, vous le disiez au début, sont vos personnages principaux sont toujours des femmes. C'est une question que je me pose souvent. Pourquoi une femme comme héroïne et souvent des femmes avec des situations compliquées, soit une mère célibataire, soit une femme en tout cas qui doit se battre dans la vie, qui est une battante. Je crois que les femmes de nos jours sont souvent dans les vies compliquées. Je choisis toujours une femme parce que je suis une femme. C'est beaucoup plus pratique pour moi d'écrire d'une femme parce que je connais bien les émotions d'une femme. Et comme écrivain, je préfère écrire des émotions très fortes. Et pour moi, c'est la plupart de mon travail, c'est de créer les familles tordues, si possible, et la psychologie des familles et des membres d'une famille. Je passe la plupart de mon travail avant de commencer à écrire, et même en train d'écrire, il faut refaire souvent. Un personnage, une autre, une famille, une autre. Parce que tout le monde sait qu'un de ces jours, la vie va vous donner un jour terrible, ou beaucoup de jours terribles. Pour moi, c'est simplement, tout c'est dans un livre, mais je sais que tous mes lecteurs connaissent très bien que il y a toujours le danger, c'est très proche.
si on a famille, on pense toujours quand on est en retard, de ce que ma fille est dans un accident, par exemple. Je joue, pas joue avec cette idée, c'est le centre de mon travail. La vie peut basculer dans un instant et tout le monde le sait. Je me disais que le meilleur moyen de parler d'un livre, c'est aussi d'en lire un extrait. Quelqu'un qui a mis en beaucoup notre travail, c'est Maxime Chattam, qui nous a fait le plaisir d'être avec nous. Voilà, les auteurs de Palabre qui se sont rencontrés, se sont appréciés. Maxime tenait absolument à être ici avec nous. Alors, Maxime, tenez, je vous laisse la place ici. Vous allez lire debout, en bon élève. Donc, Maxime va lire un extrait. Merci, Maxime. Merci. Bonjour. Alors, je vais vous demander quelques minutes d'attention. Je vais vous lire le prologue parce que quand on a évoqué l'idée de pouvoir lire un passage du livre, c'est toujours délicat de, surtout dans un roman policier, de lire quelque chose sans trop en dévoiler, et je trouve que le prologue, pour le coup, est parfait, très très bien adapté. Alors, j'essaie de ne pas écorcher. Prologue. Praja Singh ne voulait pas de problème pendant ses heures de travail. Il avait besoin de temps, de concentration. Jusqu'ici, la nuit avait été calme. Tant mieux. Les automobilistes arrivaient et rentraient pour aller aux toilettes et payaient leur essence. Des gamins traînaient autour du distributeur au fond du magasin, à siroter des glaces à l'eau. Des mères surmenées passaient prendre une brique de lait pour le petit déjeuner ou des paquets de chips pour le repas des gosses. Les personnes âgées achetaient des journaux et les pauvres des billets de loterie. Entre deux clients, Rajit bûchait. Il était en fac de médecine, croulait sous le boulot. Il avait toujours un manuel ouvert sous le comptoir, des systèmes veineux, les lobes cérébraux, ou bien d'affreuses photos de maladies dermatologiques dépassaient de l'étagère sous la caisse enregistreuse. Rajit jonglait avec les horaires, les responsabilités et les desiderata des autres. Il avait tellement l'habitude d'être exténué, surchargé, que maintenant cela lui paraissait presque normal. S'il vous plaît, messieurs, dit Rajit, calmons-nous, je ne voudrais pas être forcé d'appeler la police. Le plus petit, le plus silencieux, se tourna alors et regarda droit dans les yeux. Rajit comprit alors, trop tard, qu'il avait commis une erreur. Trop tard, les mots se bloquèrent dans sa gorge. Non, non, tenta-t-il de dire, je ne voulais pas vous offenser. Puis il entendit la détonation. Merci beaucoup, Maxime. La couleur de Patricia, il est résumé dans ce prologue. Vous avez d'abord la mise en place, où d'emblée vous sentez qu'il va se passer quelque chose, mais vous ne savez pas trop vers quoi ça va tendre. Difficile de savoir ce qui va venir. Ensuite, vous avez un développement de personnage qui est intéressant. Tout de suite, on s'attache à lui. C'est très réaliste. On est immédiatement situé dans un contexte qui nous parle tous. Il n'y a pas besoin d'avoir fait ce travail-là, ou d'avoir été étudiant en médecine soi-même pour se sentir à la place de ce garçon. Et puis très vite, la situation monte, on se dit, oh là là, ça va dégénérer. Et on ne sait pas trop vers quoi ça va aller. Et puis lorsque ça vient, tout est condensé en deux mots, la situation bascule, ça tourne, et ça y est, on est dans une intrigue où subitement on se dit, j'ai commencé à m'attacher à un personnage, il s'est passé quelque chose que je n'ai pas nécessairement vu venir, et quant au déroulé, qu'est-ce que ça va, vers quoi est-ce que ça va? Et c'est ce que j'aime dans les livres de Patricia, c'est qu'on n'est jamais dans un roman policier artificiel. Tout est hyper crédible. Les personnages sont épais, sont denses, sont plausibles. Les situations sont toujours bien amenées de façon subtile. C'est la psychologie des personnages qui va nous conduire à nous interroger davantage que des artifices comme on peut souvent lire dans les romans policiers d'empreintes digitales, de médecine légale, etc. Et je sais de quoi je parle, je suis plutôt adepte du genre d'habitude. Là, je trouve que ça fonctionne très très bien juste parce que les personnages sont crédibles, sont humains. Tout le suspense de Patricia souvent repose là-dessus. C'est la richesse de ces personnages font que tout est possible et du coup on ne sait jamais à quoi s'attendre. Merci beaucoup. Merci Madeleine. C'est un anniversaire ou... La Saint-Valentin. Quoi? La Saint-Valentin. À un moment donné, moi j'ai le cœur qui bat. Oh, c'est formidable.